Et salut à tous, c'est Nono, je suis de retour sur Evoland. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour plus chaud qu'un sushi bouillant. Donc, Evoland, c'est... Bah vous allez voir, je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. J'ai déjà fini le jeu, bien entendu. Sinon, c'est un jeu très fun qui s'inspire de plein de RPG, de MMORPG même si j'aime pas trop ce style. Voilà, commençons. Donc en fait, c'est... Non, je vais vous expliquer maintenant, c'est... Voilà. C'est... ça retrace toutes les évolutions qu'on peut avoir sur le jeu vidéo. Putain, ça fait mal à la tête quand même. Voilà. Sinon, Evoland, c'est un... Oui, j'ai déjà dit que c'est un RPG. Donc, il Putain, j'arrive pas à trouver les mots. Qu'est-ce que je pourrais dire de... C'est très très fun à jouer. Franchement... Merde, j'étais obligé de prendre ce coffre. Parce que là... Actuellement, si on meurt, enfin si on se fait toucher une fois, on meurt. Ah si, je suis trop fort. Merde. Et on recommence du menu principal, mais il y a plein de sauvegardes et tout. Donc c'est assez pratique. Bon, c'est... Oh merde. Bon bah vous étiez à moitié spoil. C'était une ancienne partie. Voilà, allez, je fais une ellipse pour reprendre bah, là où je m'étais fait avoir. Salut. Et re tout le monde. Voilà. Là normalement ça devrait aller. Ah, la couleur, même si ça ressemble à des dessins qu'on faisait en primaire. Enfin bon. Désolé à ceux qui sont en primaire, mais qui font des dessins plus jolis que ça. Hein. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi nul. Normalement c'est bon. Ouais. Bon, retourne au noir et blanc, par contre c'est un peu chiant. Mais merde. C'est pas possible. Oh putain. Bon. Allez. Tu vas morfler ça. Un ballon de baudruche en plus. Ah voilà. Petit freeze. What? Mais je l'avais frappé. Donc oui, c'est la fin du jeu. Non, je déconne, hein, mais c'est... Dès qu'on aura des cœurs, ce sera... quand même un peu plus facile. Parce que là, actuellement, sans aucune barre de vie, c'est un peu chaud. Tu te fais one shot en fait, mais... Donc là, je suis coincé par la pierre. Et oui, tu te fais one shot aussi par les chauves-souris. Ça craint un peu. Ah.
Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde des Volandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers du Dragon. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Yeah, chevalier du dragon. C'est stylé. Une origine, c'est stupéfiant. Alors là, tu m'étonnes. Cool, il y a un coffre là. Ah putain, c'est bien ce petit fruit là. Oh. Oui, il y a des objets secondaires à récupérer, avoir fini. Enfin, à récupérer. Surtout pas après avoir fini le jeu. Ah, donc là, on est dans Pokémon. C'est exclusivement RPG. Enfin, l'évolution, c'est pas forcément que le RPG, mais. Mais c'est l'histoire et tout, c'est plus RPG. Ouh, j'ai eu peur là. Pour les combattants agiles, ok. Ah. Mouvement libre. Ouais, je le fais très bien. Ah bien, voilà. Alors ça c'est du mob. Bon, j'ai encore rien. Le but c'est de le frapper dans son dos, sans se faire toucher. Oui, parce que nous c'est frapper qu'il faut, lui c'est toucher. Voilà. Petite sauvegarde. Oui, par exemple, on se demandait pourquoi je le frappe pas directement quand je les réveille, mais sauf qu'il risque de se retourner. Oh merde! Oui, donc il risque de se retourner. Parfois ça marche, hein, mais je me suis fait buter plusieurs fois à cause de ça. Voilà. Là, voilà. C'est qu'en fait, en s'en approchant trop, on se fait démonter la gueule. Donc, c'est reparti. Putain, je sais pas combien de fois je vais mourir. Dès que j'aurai des cœurs, je pense que ce sera mieux. Ça y est. Parti se garder. Bataille par tour à tour. Final Fantasy, et bien oui. Oh putain! Je n'avais jamais vu autant. Fuck. Vous me faites mal, Bob. Yeah! Évidemment, le tour par tour. Parfois j'aime bien. Mais c'est quand même un peu chiant, un peu lent comme dynamique de jeu. Là. Ah non, c'est pas encore. Je préférais l'autre carte quand même. Presque aussi bien que Google Maps. S'en servir. Oui, il va mélanger différents styles de combat. Hein, le combat en plein air. Enfin, en plein air. Quand vous cliquez, ça fait une attaque. C'est tout. Merde. Est-ce que j'ai sauvegardé normalement? Oui. Ah, Alzheimer, quand tu nous tiens. Donc, c'est reparti, toi tu dégores. Ah, j'ai eu de la chance. Il s'est pas retourné. Je vais sauvegarder encore une fois. Voilà. Sinon c'est un très bon jeu, il me semble que c'est développé par Shiro Games. Enfin, si ça se trouve je dis des conneries, quoi. Enfin comme d'hab. Mais donc franchement c'est peut-être un peu cher pour la durée de vie. Mais sinon c'est un bon jeu quand même. Enfin, je veux dire,
me semble que c'est 15 euros. Je suis pas sûr encore une fois. Mais merde. Donc c'est 15 euros. Ça dure à peu près. Bon, si vous vous débrouillez comme une merde comme moi, peut-être allez 5 heures. Donc 5 heures de jeu. Mais 5 heures où, où on retrace toute l'histoire possible et imaginable des jeux. Vive de Paprika. Ouais, moi je peux pas leur parler, il me semble. C'est enfoiré, laisse-moi tranquille. C'est pas ma faute si je suis petit. On va explorer un peu, il me semble qu'il y a des coffres intéressants. Ah, il y a un enfant. Ah, cool. Je vais pouvoir m'incruster. Yes. Les jeux comme ça, les adultes sont pas drôles avec les enfants, si jamais. D'accord, on va aller au puits du Mordor. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Non, je n'ai pas regardé le Seigneur des Anneaux. Il y a pas longtemps. Enfin... Non. Le puits. Yeah. C'est épais. J'ai grandi. Enfin, ouais, un truc où le héros est un adulte. Un RPG où le héros est un adulte. Je suis désolé, mais bon, à part les trucs MMORPG où plus t'as de muscles, plus c'est stylé. C'est quand même une dominante d'enfants, ou du moins d'adolescents, on va dire. Parce que Zelda, c'est un enfant. Enfin, Link, c'est un enfant. Quoi d'autre? Il y a Link, il y a qui? Final Fantasy, c'est des enfants, ils n'ont pas de barbe. Non, il y a. Mais Final Fantasy, ça réunit quand même beaucoup plus de héros que le reste. Dans Dragon Quest, tu ressembles plus à un enfant qu'à autre chose. Ah, cool. Et là, le but, ça va être d'aller récupérer l'armure. Et pour aller là, c'est combien de Glee? Glee complètement inspiré des Gilles dans Final Fantasy, justement. 150. Ouais, mais j'aimerais bien m'acheter les pélongues. Non. Donc je vais aller défoncer quelques mobs. Pouvoir aller m'acheter les pélongues. Des slimes. You die. Aïe. Aïe. T'es méchant. Oh merde. Bon, il fallait faire un coup à 12. Ils ont que 12 PV en fait. Ouais, j'ai de quoi m'acheter des pélons. Mais par contre, il va falloir que je m'achète une nuit à l'hôtel. Voilà, one shot. À deux points près, sérieux. Let's go. Donc, je vais d'abord aller m'acheter les trucs au cas où. Parce qu'on sait jamais, parce qu'on sait jamais. Non, 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 non. Ma défense a augmenté, cool. Une épée longue. Non, putain. Tab. Ok.
c'est déjà équipé. Je vais aller prendre une nuit à l'hôtel et ensuite on va continuer. Dès que je sors du village, je crois que j'ai arrêté. Oui, je vais sauvegarder la partie. Tout mon stress disparaît. Yeah. Il me semble que dans une des bibliothèques, là, ou dans une des... Voilà. Oui, je crois que je l'ai pas dit encore ça, mais je compte le faire en entier. Fafé fur, ça dure pas forcément très longtemps. Mais c'est super bien, ça retrace, comme dit précédemment, toute l'évolution du jeu vidéo. Donc, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à commenter, à laisser des pouces verts, à dire si ça vous a plu. Remarque, ça c'est dans les commentaires ou dans les pouces verts. Vous pouvez partager la vidéo, mais bon, moi je vois pas trop l'intérêt. Mais si ça vous en... si ça vous dit, pourquoi pas. Et bah, pour ceux qui rentreraient en cours, j'avais oublié de le dire, bonne rentrée, même si ça fait 3 pompes qu'on est déjà rentré. Mais bon, c'est pas grave. Allez, salut.